Ben nous, on était quelques peintres, sculpteurs et même quelques médecins. On a écrit un manifeste qui s'appelait « Refus global » et qui luttait justement contre la doctrine complètement restrictive de l'Église à ce moment-là. Mais l'Église fonctionnait aussi avec le gouvernement québécois. Et c'était l'obscurantisme total. Donc, on s'est battu contre l'obscurantisme qui régnait au Québec et qui était contrôlé aussi par les curés à l'époque. Ben, nous, on a vécu une période très difficile, qui est la période de Duplessis, qui est un mouvement très réactionnaire. Et j'ai l'impression que M. Harper en est un genre de nouveau Duplessis. Mais le parallèle, c'est où il y a toujours une volonté du gouvernement de restreindre l'émancipation des Canadiens, si vous voulez. Parce que le Canada était dans un mouvement de grande émancipation et il est en train de tout bousiller. Je crois qu'il faut voter à 100% contre lui parce qu'il est dangereux pour le pays.